Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chroma Squad avec une voix off malheureusement. Les tournages que j'ai fait donc le jour où j'ai tourné donc le Chroma Squad sont donc ratés hein, parce que bon mon micro avait dû planter. Donc on lit la lettre de fan. Salut les héros qui se transforment. Je suis votre plus grand fan. J'ai tellement de questions pour vous. Dans quelle ville est-ce que vous vous battez? Je n'ai jamais pu remarquer un seul reportage sur vos exploits. Encore une fois, les gros médias ne couvrent jamais les choses importantes. Est-ce que un certain Halliburton a designé vos mechas? Comment vous savez comment activer vos pouvoirs? Est-ce qu'il y a une espèce de HUD dans votre casque? Quelle division militaire, avec quelle division militaire travaillent les Bonus Rangers? Voilà. Votre plus grand fan. Waouh, il y a tellement de questions. Il finit pas sa phrase, qu'il a déjà reçu une réponse. Salut encore les héros qui se transforment. Un jour j'ai envie de grandir et de devenir juste comme vous. Je suis heureux que les Bonus Rangers soient pas soit quelque chose de réaliste, une représentation réaliste de la crise internationale. Je suis choqué que votre show ne soit pas en diffusion publique. Quoi qu'il en soit, je vous suis extrêmement reconnaissant pour vous de la protection de notre pays des menaces des autres mondes. Votre plus grand fan. Et puis c'est tout. Donc. Ensuite, on avait vérifié le studio, c'est possible. Je sais plus. J'avais raconté des conneries, sûrement. Le problème, c'est que je suis plus dedans, là. Ça, c'est pas facile. Toujours rien. Le mecha a peut-être amélioré à fond. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, en fait. Hop. Voilà, donc j'avais vu que la Sword Arm, en fait, améliore l'attaque en elle-même. Vous allez voir. Soit 10 plus 6% attaque, par exemple, là. Là, bon, celle-là, 65% attaque, donc c'est bon. Niveau attaque, je suis au maximum, ce qui est pourtant assez, vous allez le voir, dans les combats de mecha, assez faible, je trouve. Enfin, les combats sont longs, quoi. Là, tout est activé au maximum, sauf le bas à droite, la santé des mechas, mais ça ne m'intéresse pas, parce qu'il est déjà bourré de vie, le mecha. Donc, le studio, j'ai rien amélioré, je check quand même. Vous me connaissez. Prudence et mère de sûreté. Et donc, le cérébro a détecté une mystérieuse source, un mystérieux pouvoir hypnotique émanant de l'entrepôt du gros alien. Les Bonus Rangers doivent faire attention, mais il semblerait que l'un d'entre eux soit trop anxieux pour rentrer dans l'action. Vous voyez en haut qu'on a un guest et un mecha. Le guest, franchement, je l'ai pas vu. Sauf si c'est considéré comme étant Tammy. Et donc, les instructions, gagner en 5 tours. Et donc faire 2 acrobaties. Et battre le monstre avec une teamwork attaque et pas un finish move. C'est parti. Senshi, Sodate, Akuma no Taosei. Cerebo, tu nous as appelé? La ville a besoin de votre aide encore une fois, Bonus Ranger. Il semblerait que quelqu'un hypnotise les gens innocents de notre ville pour les méfaits, pour les biens des plans du Seigneur Gaga. J'avais pas trouvé le mot bidding. J'ai toujours pas de son. Le signal hypnotique est apparemment originaire de l'entrepôt du gros alien. Ça s'étend rapidement et on a besoin de contrôler la situation aussi rapidement qu'on le peut. Aussi vite que possible. C'est trop rapidement sinon. T'inquiète pas, Cerebro, on va juste faire ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire taper dans le tas. Taper dans le tas. Dans le tas. Taper. Taper. C'est pas vraiment ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler un héros. Enfin, c'est pas vraiment ce que fait un héros, mais bon, Black, on devrait peut-être penser avant de le faire. Réfléchir avant de le faire. Quand les vies de personnes innocentes sont en jeu, on n'est jamais trop prudent. Ce qui me semble correct. Tu fais de jolies phrases, White, mais bon,
Le fait de taper dans le tas a toujours été un moyen de sortir de tous les problèmes, pour l'instant. Sois pas si dur, Black. Pourtant, il est Black. Je suis sûr que Black va faire les choses bien comme il faut. Allons-y. Attendez, n'allez pas comme ça. Vous serez hypnotisé vous aussi. J'ai amélioré vos casques pour que vous ne soyez pas affectés par le changement, mais il y a toujours quelques risques. Merci Cérébro, t'as raison. On va se téléporter dans la rue d'à côté. Pourquoi pas, dans la rue d'à côté, ça peut être sympa. C'est pas comme si le boss allait sortir dans la rue et dire: Ah non, vous êtes sorti de ma zone de d'hypnose. Comment allons-nous faire? J'entends quelques grognements par ici. Le monstre hypnotique devrait être par là. On va dire par là. À l'intérieur. Attends, où est Black? Oh non, il a pas fait ça! Oh non! Oh, dépêchez-vous! Dépêchons-nous! Allons à l'intérieur! Vite! 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 Temi qui reste derrière. Il y a quelque chose qui va pas là. Alors. Quelques secondes plus tôt, Black arrive dans l'entrepôt. Je ne suis prêt, je n'ai pas, je n'ai peur d'aucun monstre. Je vais montrer à White que je sais être un héros par moi-même. All hail Marcus! Come on, monsters! C'est comme ça que tu l'aimes, hein? Fais pas ça, Black! Black! Gagné en 5 tours. Donc là, on a tous compris que c'est clairement notre équipe. Hein. Alors moi, j'ai essayé de trouver un moyen d'avoir tout en un seul tour. Bon, j'ai pas réussi, hein, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Square House Kick, ça c'est fait. Non, fallait pas me taper. C'était une erreur. Mais bon. Hey narrateur, voilà ta prochaine ligne. Et Black a sauvé la journée encore une fois. Bien joué mon mignon. Attends quoi? Mais je suis pas un de tes mignons. T'es qui toi? L'effet des pouvoirs hypnotiques doit être en train de faire effet sur toi. Ça n'a pas d'importance. Je peux m'occuper de toi par moi-même. Pourquoi pas? Je suis Napoléon Lamapart. Enfin, Lamapart. Faut le dire comme il faut. Le plus grand leader de tous les monstres et je vais conquérir la Terre. Donc j'en ai chié à trouver Lamapart en fait. Parce que c'est Napoléon Bonaparte, mais là c'est Coutapart. Donc c'est Lamapart. T'étais pas censé travailler pour le Sinner Gaga, espèce de fou? Ouais, bon, bah, plus ou moins. Mais je reste quand même le plus grand leader après lui. Les mecs qui grappillent, ça. Et spécialement grâce à mon pouvoir hypnotique. Qui t'a fait battre les bonus rangers pour moi. What? Je veux... Mais comment... Qu'est-ce qui se passe? Le monde devient tout noir autour de Black et tout s'en va tourner autour de sa tête. Ouais, sa tête en va tourner. Enfin bon bref, il avait été un petit peu chamboulé. Alors que les effets de Lamapart et son pouvoir terrible, son terrible pouvoir hypnotique disparaissaient. Mes amis, je suis tellement désolé. Je pensais que vous étiez des monstres. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Je ne te pardonnerai jamais, Napoléon Lamapart. Tu ne vas pas te battre seul, Black. Timmy! Ah ouais, Tammy! J'ai remarqué que quelque chose était en train de se dérouler. Et j'ai pris un autre chemin pour venir dans l'entrepôt. Ce monstre t'a embrouillé l'esprit. Mais il y a encore temps de faire les choses bien comme il faut. Combattons ensemble maintenant.
Vous pensez pouvoir me battre? Juste vous le. Ça pop de partout, dis donc. Si on se bat ensemble et de manière intelligente, oui, nous te battrons. Nous vous battrons. Tout est relatif. C'est parti. Senshi sorate akuma no taose. Hop, et une première acrobatie. Et il frappe. Bim. Donc j'ai bien fait de pas l'attaquer avec le pouvoir, parce que le pouvoir avec 300% de dégâts aurait pu lui faire beaucoup plus de dégâts. Avec une prise de risque si jamais il fait une attaque et qu'il y a un contre. Enfin, c'est surtout ça. Le plus dangereux en fait dans le jeu, c'est les contres de tes personnages en facile. Parce que bon, là on est en mode. On n'est pas vraiment en mode. Enfin, si, on est en mode extrêmement facile. Pour justement s'orienter plus vers le fun. Et donc, du coup, le moindre contre fait énormément mal. Enfin bon. Oui, ce genre de choses aurait pu être très très douloureux. Heureusement, là, il n'y en a pas eu. Alors, teamwork. 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 Voilà, teamwork. Allez, Marcus, fais teamwork. Clique. Allez, clique. Allez, clique. Je sais que tu t'inquiètes, mais clique quand même. Tu vas l'avoir. C'est pas parce qu'il n'y a pas le finish it au-dessus que tu vas pas l'avoir. Hop. Pourquoi moi? Et voilà. Battre le boss avec un... avec un team attack. Donc là, comme vous avez pu l'entendre, chers amis, il y a un son et donc il s'est déclenché. Donc ça, c'était simplement la manette de mon du Mad Max que j'avais tourné avant. Et on reprend donc ensuite. Impossible. Vous n'allez pas me battre si facilement. Il est temps pour moi de grandir et de détruire votre précieuse ville. Reviens ici, quoi. Tout le monde, est-ce que ça va? T'inquiète pas, on va se régénérer assez rapidement. On régénère assez rapidement dans ce jeu. Ce qui est tout à fait vrai, hein. C'est clairement ça. Je suis tellement désolé. Ouais, t'avais totalement raison sur toute la chose. Ah, t'avais entièrement raison. Je sais maintenant ce que ça veut dire d'être un vrai héros. Ce n'est pas juste battre des monstres. Ce qui est pas faux. On fait tous des erreurs, Black. Mais maintenant, nous savons tous que ton cœur est au bon endroit. Enfin bref, autrement dit, il suivra toujours son cœur. Rien ne peut briser les liens de notre amitié. Je comprends maintenant. Combattons ensemble, une fois de plus. Bonus Ranger avec moi. Pipipipipi. Playmake, activation. Alors c'est Temi qui le fait. Alors qu'elle est pas. Moi j'y ai cru. J'y ai cru à fond. Mais non. Alors. Bim. 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 Raté. Et comme ma défense est super powerful, bah du coup je prendrai aucun dégât pendant. Tant que je serai dans la toute petite partie mais pas dans le perfect, ça va. Un awesome suffit. Bim. Et bim. Et bim. Raté à 66%. C'est écœurant. J'ai plus d'une chance sur deux d'y arriver, mais j'y arrive pas. Bim. Raté. Bim. Raté à 86%, j'ai raté. Putain, perfect. Raté. Ah, j'ai pris des dégâts. Bon bah c'est pas grave, hein. Awesome, ça suffit. Et bim, allez, c'est fini.
Voilà. Premier round. Round 2. Fight. Bim. 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 Raté. 66%. Perfect. Raté. Et je pars. J'ai rien senti. Et bim. Et bim. Et bim. Encore un. Encore un. Voilà, deuxième round. Third round three. Fight. Bim. 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 46%. Bim. 36%. Et bim. Ça, c'est un perfect. Je l'ai enchaîné dans le dernier round. Pur coup de chance, hein. Un véritable pur coup de chance. Bon, loading, et on revient au menu. Avec donc un déficit de, comment, dès le début de l'épisode, donc grâce à cause ou grâce de nos à notre marketing. Mais bon, une quantité d'argent plus qu'honorable, et des fans en grande quantité, donc ça c'est cool. Ma petite amie était un petit peu sceptique vis-à-vis de ce show, mais maintenant elle est une fan. Mon job au boulot demain matin, ce sera de parler à tout le monde des bonus rangers. Allez-y les protecteurs de la Terre, avec Temi vous êtes invincibles. Et ensuite, le dimanche est presque déjà fini, mais je suis heureux, j'ai pu voir les bonus rangers. Donc, shop très nouveau. Au niveau du mecha, est-ce qu'on a quelque chose qui permet d'améliorer nos dégâts? Non, rien du tout dans le bras gauche, donc c'est chiant. Je crois que c'était le gauche hein, que je montrais, je sais plus. Au niveau des jambes non plus. Là non plus, c'est que de la défense. Chance de toucher, chance de toucher. Attaque. Alors, on a de l'attaque là dans le coin. Craftons là après tout, pourquoi pas. Ah, il va nous falloir du woodboard. Alors, non, bypax. Là je me plante, j'achète de la yen cardboard. Ce qui n'est pas ce que je cherche du tout. Mais pourtant j'y crois. Hein. Je me trompe, voilà. Ah, j'ai fait le conseil de la woodboard, oh là là. Ça me marque, hein. Dites-vous que moi, entre la tournage, bah ça c'est j'ai fait le lendemain, la voix off est faite le lendemain du tournage. Alors, voilà. Besoin d'un petit peu de gold tape. Ah, mais c'est quand est-ce que je vais y penser? Non, voilà. C'est bien, Marcus, c'est bien. Gold tape. Hop. Il va falloir encore un petit peu de gold tape. Alors. Parfait. Et il nous l'offre dès le début, c'est parfait. Donc voilà, avec ça en fait on a une tête qui rapporte beaucoup plus de dégâts. On gagne 25% de dégâts en plus, ce qui est pas rien. Hop. Au niveau de ce bras là on n'a pas de truc plus fun au niveau des dégâts. Au niveau du marketing on est encore bon, vous voyez. On n'a pas on a ce qu'il faut pour... J'avais pas rappelé par exemple, vous voyez. Donc on a ce qu'il faut pour rajouter plus de fans encore. Ça c'est cool. Et donc voilà les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.